Un peu de son là. Sous le ciel brumeux de la Chine se trouve Kowloon, la ville la plus peuplée où la pauvreté et la violence des gangs prospèrent. Tiens, regardez ce que je vous mets comme son là. Oh là là, ça va être glauque. Cependant, pour un jeune étudiant, le premier souhait est de trouver un logement bon marché. Oh putain. Oh, qu'est-ce qu'il attend à l'intérieur des murs? Je sais pas, mais en tout cas, moi je veux partir. Franchement, laisse tomber mec. Hein. Ouh, c'est joli. Oh, graphiquement, c'est joli, hein. Attends, c'est très beau. Genre, vraiment. C'est vraiment très beau. Hein. Bah, franchement, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. J'en ai des frissons déjà. J'ai loué une chambre dans un appartement situé au 4e étage. Il fallait prendre le 4e. Vous pouvez pas prendre le rez-de-chaussée comme tout le monde. Hein. Franchement, je vais juste simplement monter. Hein. J'ai cru que le chien n'avait plus de tête. Oh, dommage pour le chien, il doit avoir faim. Ah bah attends, bah c'est-à-dire que tu vas lui donner à bouffer, mon grand, là. Verrouillé. Mais tu vas lui donner à bouffer, en fait, je sais pas. Dommage pour le chien, il lance. Non mais... Oh, bah dommage pour le kleps, hein, il doit avoir la dalle. Il va me péter dessus, je le sens. Attends, mais c'est vraiment des quartiers comme ça, genre? Attends, l'appartement, c'est vraiment ça? Non, c'est pas un appartement, ça s'appelle un... Des concierges, ici, là. En fait, c'est le concierge. Bah, ça, c'est... Oh, je me sens pas bien. Je suis partie, j'ai laissé la clé au magasin. Elle est à l'extérieur, près de l'entrée. La clé au magasin, elle est à l'extérieur, près de l'entrée. Donc là, faut que je fasse demi-tour, là. Tu te fous de ma gueule, Martine? Oh non, je le sens pas. Ça va, Loulou? Il s'est relevé, hein. Avoir une tête de constipé durant tout le gameplay, je vous le dis. Ah,
Ah, c'est ça le magasin? Il semble qu'il s'agisse du magasin dont la propriétaire a parlé. La clé doit se trouver quelque part ici. Oh bah tiens, prends la bouffe là déjà pour le chien. Snack dog. Oh bah si ça tu peux l'ouvrir, c'est pas pour rien. Quelqu'un? Les clés. J'imagine que c'est à partir de maintenant que tous les emmerdes commencent. Tiens, loulou. Roquette. Ah. Là, je me sens mieux pour lui. Je pouvais monter tout à l'heure. C'est quoi cette merde? Oh putain. Oh ça pue la merde. Oh ça pue la merde. Quand ça clignote comme ça, tu peux être sûr que ça va nous charger. Attends, mais c'est le bon appartement dans lequel je vais là? Mais quoi? Et où suis-je? Attends. Je suis paumé. Ah mais elle est là. C'est à moi d'ouvrir la porte très fort parce que c'est trop bizarre. Oh là là. Oh comment j'ai pas envie d'y aller. Je peux que supposer qu'il s'agit de la chambre de la propriétaire. Voici ma chambre. Je commencerai par laisser mes affaires sur le lit. Vas-y, on s'y sent tellement bien. Comme j'ai envie d'une tasse de thé bien chaude. Bah franchement, te fais... Et la porte, elle me met trop mal. La porte, elle passe son temps à s'ouvrir et se fermer. Franchement, je sais pas pourquoi le perso s'emmerde. Hein. Quelle est la tasse? Il a dit qu'il voulait une tasse, on est d'accord? Ah là! Allez, fais-toi plaisir. J'ai envie d'une tasse de thé bien chaude. Bah, la bouilloire, elle est là. La tasse, elle est là. Les mouches, elles sont là aussi. Oh là là, je suis pas bien. Allez, chloup chloup.
Je pense qu'il est temps d'aller dans ma chambre. Moi, je pense pas. Je pense pas. Le placard, il était pas ouvert, il était fermé à clé. J'ai peur, je veux rentrer à la maison. La vieille femme est devenue folle. Cela fait longtemps que je n'ai plus la possibilité d'aller à l'entrée. Qui ça, la vieille dame ? Quelle connerie, mais cela vaut la peine de vérifier la porte d'entrée au cas où. Je vais me faire dessus. On dirait que la propriétaire est déjà rentrée chez elle et qu'elle a fermé l'appartement. Ah bah hé ! Curieux ça, dis donc. J'ai jamais vu des toilettes comme ça. Il faut que tu montes pour te poser sur le trône. Ah, c'est quand même... Mais ça doit être fou quand même, hein. Tu dois avoir un point de vue incroyable. Ça m'en a fait oublier le bruit. Ça, sans déconner. Bon, je retourne au bruit parce qu'il doit sûrement y avoir quelqu'un de fou qui va me tuer, mais... Là, les toilettes comme ça, la petite vue là, vue panoramique surtout... Eh bien, là, t'as un roi, hein. Pendant que l'autre se lave les mains, tu peux le juger depuis ton trône. C'est incroyable. Ah ouais, c'est WC, c'est exprès quand une maison est sous le niveau du sol. Ah ben, c'est incroyable. Oh putain. Vous l'avez vu ? Il y avait quelqu'un à gauche, hein ? Oh non, mais c'est bon, la maison. Oh, les apparts de malades. Bienvenue dans Outlast. Il y a quelque chose qui a fermé la porte. Par contre, la porte, c'est en train de me faire péter un câble, ça. Donc là, si je fais ça, je vois mon objectif ou pas ? Je peux pas voir mon objectif. Mais tout est fermé en fait. Elle a tout condamné pour mieux me fumer, Martine. Je sens pas bien. Je dois aller où ? Je sais pas où je dois aller, hein. À part régner sur le trône de fer. Que je dois faire. Oh putain, si. J'avais pas vu qu'il y avait quelque chose. Ne vous avisez pas de sortir la nuit. Oh bah y a pas de problème. Allez. Moi, je ferme cette porte. Foutez-moi la paix. Nous devons trouver une solution. Comment ça? Pas de coucher, hein. Solution de quoi?
solution de quoi? La tête de Wamfer, cette porte. Ferme-la. Je me sens pas bien. Oh, je me sens pas bien, ça y est. Mais là, réellement, il veut une solution, pourquoi? Je suis trop stressée. Vraiment. Attends, la porte de droite. Oh putain. Oh. Mais quoi? C'est quoi ce bordel? À tous les cris. Porte de merde, j'en peux plus. Hein. C'est une porte à la con, ça. Hein. Et je vais où comme ça maintenant? Oh, j'avais pas vu les jambes sous le lit. Ça, c'est la vieillesse. Hein. Je fais quoi, moi, maintenant? Attends, en fait, la vieille, c'est une cannibale, en fait. Elle bouffe tout le monde. Elle bouffe tout le monde, mamie, là, en fait. Putain, mais bienvenue dans Outlast, hein. On est dans la merde. On est foutu. On est cuit. Est-ce que je peux interagir avec ce monsieur? Ah non. Comment elle a gueulé? Je sais qu'on a tous fait trois fois le tour de notre slip, là. On est tous d'accord, on a tous eu la même réaction. Eh ben, on va rester dans la chambre, ce sera très bien. Hein? La chambre, c'est très bien. J'ai peur, je veux rentrer à la maison, la vieille femme est devenue folle, je suis d'accord, hein. Elle m'a sauté sur en me gueulant dessus. Hein, je suis d'accord, cela fait longtemps que je n'ai plus la possibilité d'aller à l'entrée. Ah ouais, d'accord, en fait, tu peux pas sortir tout court, quoi. Ah, l'entrée qui est là? Enfin, l'entrée qui est là? Ah ouais! Oh! Non, ça sent mauvais. Que nenni, je n'y crois pas. Oh, et là, je suis en train de rentrer dans l'appartement du voisin.
Oh putain, et là je suis en train de rentrer dans l'appart du voisin. Ils ont dit qu'il fallait pas rentrer déjà trop. Je peux pas avoir une flashlight, s'il vous plaît. Attends. Est-ce qu'on n'a pas un truc option? On n'a pas de flashlight. Les choses sont bizarres en ville ces derniers temps. Je me sens pas en sécurité ici. Je dois finir les rénovations et déménager bientôt. Franchement, ne rénove pas. Ne rénove pas, barre-toi. Hein. Parce que quand tu vois toutes les bougies et tout le bordel. C'est ce qui me semblait, hein. C'est ce qui me semblait. Ah, merci. Un petit cacolac, ça fait toujours plaisir. Ah, j'ai pas les clés, hein. C'est bon, hein. Allez vous faire foutre. Je vais nulle part. C'est là-bas, hein. Moi, j'ai pas envie d'y aller. Pourquoi est-ce que je vais aller m'emmerder à dire bonjour à tout le monde plutôt que tout seul, Michel, hein? La tête de ma mère, il y a un mec à droite. Vous me croyez pas? Il y a un mec en haut, à droite. Il y a un mec en haut, à droite de l'écran, qui est en train. C'est lui qui devait toquer sonner. Oh non, mais là j'en peux plus. Oh putain, la flashlight. Oh, en fait, non, c'était une connerie, je la veux pas. Non, 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 c'était une connerie, en fait, j'ai rien dit, je la veux pas. Oh putain, j'ose pas me retourner. Le jeu est tellement réaliste. Yep, help, ça marche pas. H-E-L-P-A, merde. Donc là, il faut que je trouve le code, quoi. Attends, comment il s'appelle le jeu? Comment j'ai dit qu'il s'appelait le jeu? Je suis pas bien. Hein. Je suis pas bien. Valorant. Devil essaye, c'est pas bête. S'il y a un E. Oh, j'y ai cru de fou. Oh, j'y ai cru. Ah, c'est Kowloon. Est-ce qu'il y a un O ici? Non. Ça n'aurait pas eu assez de lettres. Bon, bah vas-y, on va sortir, hein, on va chercher. Vous savez que vraiment le jeu me met très mal. Hein. Je sais pas vous, mais moi. La lettre du milieu, c'est un C.
Oh là là, mais on va arrêter le tir là. La fin, c'est un Y. Il faut noter. Y. Arrête le frigo là! Putain, j'en ai marre! Ah, en avant-dernière lettre! N'hésitez pas à noter. Il était ça? Ça y était pas, je crois. Ce... je suis trop stressée. Decay, ça veut dire quoi? Que veut dire decay? Ah, c'est pourri. Tu m'étonnes. En mode se décomposer, décomposition. Ok. Bah ça m'étonne pas, hein, vu la gueule de la baraque. Ah, le pied de biche pour la porte. Il va y avoir quelqu'un, ça va me gueuler dessus. Je fais flipper de fou. Hein. Non, mais là, j'en ai marre. L'ambiance, le son et tout, ça me met trop mal. Quel jeu de merde! Mais quel jeu de merde! Soirée à la con là, je t'en foutrais moi des soirées comme ça! J'en veux plus moi des soirées comme ça! Je m'en fous! Hein. M'en fous, hein. Ça me fait peur ces soirées de merde! Ça va péter. Mais non, mais non. Mais on voit rien courir.
Je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter ce genre de délire. Je pense qu'au bout d'un moment, il est temps d'arrêter de faire les pleutres. Mais là, je recommence, je me suis fait choper en fait, non? Vois rien, putain. Il n'y a pas d'issue. Oh, tu la veux celle-là? Ils m'ont fait courir. Mais vous êtes des craquitos, vous avez réussi à lire le code? C'est pas 5913? 5919? Ah non, 59-3, c'est ça. Non, mais vous êtes des cracks, vous avez réussi à... Ah, moi, je m'en vais de là. Hein. Je m'en vais d'ici. Hein. Je me casse. Je reprends la bagnole. Fout. Direction action, c'est pas grave. Je m'en fous de dormir sous les toits. Ça suffit les conneries. Hein. Ah non. Je fais quoi? Je monte ou je descends? Je monte genre vers là. Maintenant je suis dans la rue, je dois juste trouver mon chemin pour quitter la ville. Là. Run. Tout droit. Ça me paraît bien rouge. Ça sent la merde tout droit. Putain, ça me paraît bien sombre. Exit. Allez, ouvre-la. Et voici la sortie. Il va pas pouvoir l'ouvrir, tu vas voir. Mais nous devons trouver quelque chose pour couper les chaînes. J'étais sûre qu'il était con comme une andouillette, celui-là. Il y a quelque chose, mais je n'ai pas l'argent. Oh, oh merde, c'est un... Je fais bien le truc. Tu vois? Oh non. J'ai peur. Vraiment, j'ai vraiment très peur. Bon, faut me le dire, si je rate une porte, faut me le dire tout de suite. Hein. Arrêtez! Tiens, c'est le truc! Ah, mais oui, je sais où je dois le trouver, mais il me faut une pièce. L'ascenseur ne fonctionne pas, ça m'aurait étonné. Le générateur n'a plus de gaz et le levier de démarrage est cassé. Il faut aussi trouver du gaz. L'ambiance du jeu. Il faut quand même admettre que c'est un délire. Là, je, dans un mood là. Attends, j'ai tout fait, oui. Donc là, on redescend. Qu'est-ce que je fais là? Je vais te montrer quelque chose. Regarde sous le rocher, près de la balançoire. Et si j'ai pas envie? Et si j'ai juste envie de te dire d'aller te faire foutre, en fait, hein? Juste ça. Va bien te faire foutre. Comprends ça?
Et je dis quand même va te faire foutre, mais je suis quand même pas sereine. Hein. Quand je me retourne, je suis quand même en mode don't touch me. À la balançoire. Ah, et maintenant, dans le frigo rouge. Non mais vraiment, je me sens pas bien. On peut... Ça va être pour la pièce? Vraiment, je me sens pas bien. C'est très grand. Oh là là. Oh là là. Ça clignotait pas tout à l'heure, hein. Avez-vous vu le tissu rose dans la cour? Voulez-vous voir ce qu'il y a derrière le tissu rose dans la cour? Et je le savais. Je le savais. Je me suis dit, tu vois qu'à tous les coups, je me retourne, il y a un mec. Un mec, mamie ou peu importe, mais... Quelqu'un a vu le tissu rose? Le tissu rose dans la cour. Si vous voyez un tissu rose, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que la cour, c'est ici. Non? Il y a un drap rose. Ça? Il n'y a pas de lumière. Bah dis-toi que là, c'est lumière max. Hein. Regarde sur la table. S'il n'y a pas de pièce. Non. Ils ont dit dans la cour. Pour moi, la cour, c'est là. Ah, sur le mur, contre le mur. Ça? Le mur. Putain, vous voyez un tissu rose là? En haut? En haut? Il y a quelqu'un qui me regarde en haut, hein? Ah ça? Ah ouais, t'es mal à la taille du tissu. Effectivement. Oh les emmerdes. Mon sanctuaire est magnifique, n'est-ce pas? Je me suis cachée ici de toute horreur qui commençait à m'arriver. Putain, mais par contre, mettez une écriture plus smooth parce que là, dans ma famille et dans tout le village, et c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas. Donc il n'y ait plus âme qui vive à Kowloon. Vous aurez besoin de cette pièce. Oh, la fameuse pièce. Merci, ma grande. Elle est où ta petite pièce?
Yes. Là, j'ose pas me retourner. Parce que c'est pas un Golden Retriever que je vais retrouver derrière moi, je vous le dis. Mamie, 3, 2, 1. Je te vois, vieille morue, hein? Viens te battre, si t'es une vieillasse. J'ai peur. J'ai souvent peur dans les jeux façon d'horreur, mais là, particulier. Putain. Vous l'avez vu? Il n'y a que moi qui l'ai vu. Jean-Michel à gauche. Ok. Je vais aller foutre le levier. Ok, 3, 2, 1. Ah bah c'est pile là où on doit aller en plus. Yes. Ah, un petit bout de papier. C'est grave. Ma petite fille s'est enfuie de la maison. Je sais pas ce qu'elle a. Ma femme n'est pas sortie de la baignoire depuis 3 jours. Bah faut s'inquiéter, hein. Déjà, même au bout de 1h45, faut quand même peut-être taper à la porte et faire bon, si tout va bien. Ça fait 1h45 là. Ça fait 3 jours. Ils doivent sacrément en avoir marre de sa femme, hein, pour ne rien dire pendant 3 jours. Hein. Tout le monde autour de moi est fou. Je ne sais pas quoi faire. Ce gaz qui s'échappe des tuyaux. Ah, je ne l'avais jamais remarqué avant. Je pense que tout est de sa faute à l'aide. Ah. C'est 3 jours de bain. Pour la peau, c'est pas bon, hein. Tu finis fripé, hein. 3, 2, 1. Ils veulent nous expulser de notre quartier. Le gouvernement cache le fait que nous sommes en train de mourir ici. Genre, c'est le gaz là qui les a. Et voici un bidon d'essence. Où ton bidon d'essence Ah là. Donc en fait, ils étaient en train de se faire intoxiquer, mais le quartier, ils ont rien dit. Enfin, le gouvernement. Est-ce qu'il fallait descendre pour aller au truc? Oui, non? Je sais plus, c'est par où. C'est plus loin. J'en peux plus. J'ai une tête, on dirait un vieil albatros, hein. Le bordel, toi. Je suis stressée quand je vous dis que je vais avoir la peau des... Des paupières, là, qui va tomber dans pas longtemps. J'ai mis l'essence, ça y est? Mais pourquoi je m'en vais? Attends, j'ai activé cette merde, mais il faut que je fasse quoi maintenant que je l'ai activé? Qu'est-ce que je fais maintenant que je l'ai activé?
J'en peux plus, hein. Je suis tendu, 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 hein. Oh putain, l'ascenseur. Elle est où, il est où l'ascenseur? J'ai oublié. Flûte à bec, il est où l'ascenseur? Ah ben il est pas là. Il est où cet ascenseur? Il est là? Il est au générateur? Ah oh bah là, s'il n'y a pas le chétan qui sort de là, ça va me péter à la gueule. Hein. Préparez-vous. Hein. Oh, la porte, elle est en biais. Il n'y a rien qui va. Là, c'est descente aux enfers. Hein. Allez, hop. Moins 666 étages. Visitez le toit. C'est le succès que j'ai déverrouillé. Oh ben, hé hey. Puis là, on va se faire des brochettes, hein, on a que ça à foutre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je vais m'énerver dans 2 minutes. Qu'est-ce qu'il est en train de foutre, le personnage-là? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? On est à Disneyland Paris? Ça y est? On va mettre les petites oreilles de Mickey? On va faire péter un feu d'artifice? Joyeux Noël tout le monde? Il voit pas qu'il y a un problème, là? Il faut chercher une pince. Il faut chercher une pince, hein. Arrêtez, laissez-moi tranquille. Je suis en train de devenir folle, hein. Je préfère vous le dire, ça change peut-être pas d'habitude. Ah mais là je vais sauter. Hein. Foutez-moi la paix. Hein. La pince. La pince! Ça va péter. Ça va péter, je te dis. J'ai vu une petite flèche avec un cœur. C'est mignon hein, quand même ce que les gens font. Hein? Le petit chien? Coucou mon grand! Ah tiens pas mon grand! Viens avec nous hein! Tu viens avec nous mon cœur hein! On s'en va hein. Ah moi je le reprends avec moi. Hein. Autant mamie, je laisse sur le bas-côté. Autant le dog là, je le prends. Hein. Il est venu avec moi? Oh non. Il est où le dogo? Ah je peux plus courir. Oh putain, ça outlasse le bordel. Hein. Oh, Sainte Marie, mère de mes... Oh putain, attends, je suis pas sûre de m'en sortir vivante là. Bonsoir, bonsoir, oh bonsoir, bonsoir, oh bah dis donc, excusez-moi, bonsoir, oh bah, bonsoir, oh bah, bonsoir, je vais passer par là, hein. Je fais que, c'était juste une petite visite pour voir si je prenais l'appartement ou pas, non mais finalement je vais le laisser, hein, non mais allez-y, franchement, vous en faites pas pour moi, je trouverai bien un appartement. C'est pas un souci, hein. Y a pas de... Pas de problème, hein. Oh, cours. Allez, cours. Cours à la caisse, mon grand. Démarre!
Récemment, la police a reçu de nombreux rapports de personnes s'étant rendues à Kowloon. Ils disent avoir vu une ville qui n'existe pas. La ville fortifiée de Kowloon, démolie il y a 5 ans, était l'une des pires villes de Chine. Elle a été démolie? Peu avant la démolition, le quartier avait connu une recrudescence de la criminalité et des homicides injustifiables. Nombreux sont ceux qui pensent que le gouvernement était prêt à tout pour démolir Kowloon. Mais y a pas à faire des trucs comme ça, hein. Jusqu'à la fin, ce jeu va nous hanter, hein. Jusqu'à la dernière seconde, hein. Donc, jusqu'à la fin. Donc en fait, c'était dans notre imagination tout ça. C'est vrai qu'elle était gratuite celle-là. Et c'est la POV, la caméra, là, on est où? C'est peut-être que maintenant il a trouvé un appartement, tu vois. Et là, il y a les infos, hein. Donc je pense que là, en fait, il a vu... tout ce qu'il a vu, en fait, je pense que ça n'existait pas. Si, ça existait, mais genre, c'était en mode hanté par des fantômes et tout, quoi. Il est pendu, là, non? Putain, mais c'est pas con, ce que tu dis, à la fin. C'est pas con, en fait, j'ai pas tilté, mais en fait, on est pendu. Bah, attends, oui, en fait, on est pendu, à la fin. Pourquoi ça m'a pas... J'ai tellement voulu une good ending pour mon personnage qu'à la fin, j'étais en mode... Bah, plutôt une bonne ending, les gars.